Parti de façon improvisée à Saint-Lary en famille, je vais en profiter pour repérer les parcours sur la Neste afin de préparer au mieux le week-end du team à Arreau et surtout initier mon fils Maé à la pêche en rivière. On est parti, à peu près 45 minutes de pêche pour le coup du soir. Donc sur la Neste d'or, juste devant le camping, impeccable. Après niveau poisson, je sais pas du tout ce que ça donne. Il y a des années que j'ai pas pêché la Neste d'or. Et ce soir, j'ai opté pour l'heure. Demain matin, j'attaquerai au toc. Mais ce soir, c'est le leurre. Petite de 18 cm qui viendra taper sur mon leurre pour éviter le capot, et rien d'exceptionnel. On verra demain matin, j'attaque au top. Bon alors Maé, tu vas prendre ton premier cours de pêche en rivière au toc. Oui. T'es content? Oui. Bon, il va falloir bien écouter. Oui. T'as mis la casquette du team? Oui. Ah, t'es l'apprenti du team alors? Oui. Tu crois que tu vas attraper du poisson? Oui. Alors ça, c'est pas sûr. Hein. Eh oui. Ce matin t'as raté du fruit. Eh ouais. L'apprentissage commence. D'abord Maé va commencer à pêcher avec papa, qui va lui apprendre comment jeter, le sens d'une dérive et comment tenir sa canne. Je ne suis pas le meilleur pêcheur, donc pas le meilleur professeur. Je transmets à mon fils. Pas facile à 6 ans et demi d'être concentré au toc, mais seulement au bout de quelques minutes, Maé va prendre les choses en main et va pêcher tout seul. Changement de décor le lendemain matin, je me retrouve seul au bord de la Neste. Les truites vont être très joueuses. Attention aux orties, Maëlle. Les orties, ça fait du chien. Maëlle,
même pas aussi qu'elle a une fille. Poisson! Poisson! Attends, Maëlle! C'est moi! Mais non! Mais tire pas comme ça! Regarde ta maman, tu l'as décroché tout seul! T'as tiré un mot! Allez, c'est pas grave! Bah y a bien compris qu'il fallait agir avec douceur et délicatesse. Il fera ses deux premières truites. Je garderai cette image, nos deux mêmes, pour cette première remise à l'eau sur cette truite. Ok. Mon fils réussit désormais à sentir les toques tout seul et à ferrer. Alors, quand la truite est piquée, c'est un peu difficile de l'aide de papa pour tenir la case. En tout cas, je suis fier de lui. Il fera, sur cette dernière soirée, le soir comme on appelle, deux truites tout seul. Papa est devenu un épuiseur officiel. Alors mon fils, Diego, t'es impressionné. Si on la repêche, il faut la relâcher. Tu sais combien que t'attrapes aujourd'hui? Je sais plus, ah. Peut-être Oh, c'est la troisième, menteur. Oui, troisième. Et celle-là, tu l'as sortie tout seul et c'est papa qui fait l'épisoteur. Oui, ah. Comme la deuxième. Lève ta canne. Doucement. Vas-y, essaye de te débrouiller. Tire doucement, tu la ramènes. Elle est où? Ah ouais. Et si elle y est? Essaye de me ramener un petit peu là. Lève ta canne. Attention, elle repart. Lève ta canne. Lève la canne. Je l'ai loupé. Laisse-la repartir.
Non. Si tu la sors pas un peu de l'eau, je pourrais pas la voir. Je la prends. Tu la remets à l'eau là. Hop là. Celle-là, je suis pas sûr, non, c'est deux. Pourquoi? Ça, c'était, ça ressemblait à des sauvages. Mon père transmet sa passion à son enfant, les plus beaux cadeaux. Et quand on voit la joie sur le visage de mon fils, c'est merveilleux.